J'ai repris après 15 ans parce que pour moi c'était un besoin, une nécessité de reprendre la peinture. Donc à un certain moment, il y avait un vide en moi que j'avais envie de recombler. Je sentais que la peinture pour moi c'était une passion que j'avais mis sur le côté entre parenthèses à un certain moment. Donc je devais absolument reprendre. Donc je me suis réinscrite à des cours du soir pendant 6 ans. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à exposer et à montrer mon travail. Je pense que quand on a une passion, quand on a une ambition, malgré les années, malgré l'âge, il faut essayer d'y parvenir et passer au-delà du rêve pour que ça devienne réalité. L'immigration, c'est pas une histoire simple, je pense, pour une enfant de 4-5 ans qui quitte son pays. Donc, bien sûr, il y a eu beaucoup de souffrances étant jeune, beaucoup de repli sur soi. Oui, donc je pense que ça fait partie de mon histoire et ça ressort bien sûr dans la peinture. Depuis toute petite, je me disais que j'allais revenir au Maroc et que j'allais montrer mes peintures. Donc là, j'y suis et c'est génial. C'est un rêve qui se réalise pour vous ? Oui, tout à fait, c'est un rêve qui se réalise, oui, parce que pour moi, c'était un but aussi.